mettre en place une structure qui doit être un cadre formel d'échange et de concertation qui favoriserait le rapprochement de l'ensemble des parties et faire prendre conscience aux participants de la réalité des contraintes qui président la gestion des parcs. Telle a été la substance des débats. Il est question aujourd'hui par rapport à la mise en place de la loi qui porte sur les parcs nationaux. La loi 003/2007, du 27 août 2007, de mettre en œuvre, on va dire, toute la politique, ou du moins c'est encore la stratégie qui consiste à impliquer les communautés locales qui vivent autour des 13 parcs nationaux qui ont été créés. Le conférencier a présenté les retombées socio-économiques qui pourraient générer les liens avec le parc national vers les communautés locales riveraines. Il est prévu, on va dire, un ensemble d'activités socio-économiques qui doivent permettre aux communautés de connaître les bienfaits de la création du parc national. C'est ainsi une initiative appréciée par la société civile. La première journée a été pour nous une journée satisfaisante dans la mesure où toutes les questions qui ont été abordées ont trouvé l'assentiment du plus grand nombre. Cet atelier vise aussi à mettre en place un bureau qui comptera 5 membres, à savoir un président, 2 secrétaires et 2 membres.